Bonjour, je suis Arnaud Kiner, directeur de l'INDEA. L'INDEA existe depuis 2001. Je suis en charge de la direction de l'entreprise, de son développement et également consultant. Notre vocation est d'accompagner le cycle de vie de l'immobilier à l'échelle d'un site, d'un ensemble d'activités et également à une échelle plus grande qui peut être un quartier ou une zone d'activité par exemple. Notre rôle est d'accompagner les décisions et la mise en œuvre de projets. Nous sommes basés en région lyonnaise depuis notre origine, au cœur d'un des plus grands bassins d'activité en France, et ce qui nous permet également de rayonner en France, en Europe, et également d'avoir privilégié une qualité de vie. L'INDEA, c'est avant tout une équipe qui couvre trois métiers: un métier de conseil en organisation et en implantation d'activité, un métier de valorisation et de montage immobilier, et un métier de management de projets opérationnels. Nous réalisons environ 90 à 100 études et missions par an en France et en Europe, qui impliquent des déplacements à la journée pour la plupart d'entre eux, un travail distanciel important, le tout avec aujourd'hui une équipe constituée d'une douzaine d'ETP et deux profils essentiels d'intervenants, les consultants d'un côté, les chefs de projet opérationnels et études de l'autre. On se retrouve tous dans une identité commune forte, avec un certain nombre de bagages communs, méthodologiques, une position d'intervention aux côtés de nos clients, la volonté d'aider à prendre des décisions objectives et ensuite d'accompagner à mettre en œuvre les solutions associées. On fait preuve de rigueur, on fait aussi preuve de créativité, on explore un certain nombre de sujets nouveaux et on porte des valeurs qui sont dans l'accompagnement aussi du changement des pratiques et des postures, et notamment par exemple sur le plan environnemental et face à un certain nombre de sujets sociétaux. Nous travaillons en équipe parce que nous disposons d'une large palette de compétences internes et parce que la réponse à apporter à nos clients est beaucoup plus efficace avec plusieurs cerveaux réunis. On travaille évidemment beaucoup aussi avec nos clients et avec des partenaires extérieurs, sachant que au final, chacun d'entre nous est libre dans son quotidien de s'organiser entre une partie front office, une partie back office, des déplacements, du travail distanciel, du télétravail. L'important est que chacun d'entre nous puisse assumer dans les meilleures conditions 5 à 10 missions en concurrence environ, soit 90 à peu près par an à l'échelle globale de notre équipe. Et nous nous retrouvons ensuite dans des temps forts qui nous permettent de nous réunir au cours de l'année ici dans nos locaux. Les recrutements sont pour nous une réponse dans la durée à une demande croissante, à un attrait de plus en plus fort pour notre mode d'intervention et pour nos prestations. Nous recrutons à la fois des chefs de projet opérationnels et études et des consultants, le but étant d'intégrer, avec un accompagnement sur mesure pendant 6, 12 ou 18 mois, les personnes qui nous rejoignent, de leur permettre de contribuer dès leur arrivée dans des champs d'intervention qui peuvent correspondre à leur parcours, à leur formation, de participer à des projets et à des développements internes, et petit à petit d'acquérir une autonomie d'intervention. Si notre modèle, qui fondamentalement est aussi basé sur l'équipe, l'humain, la place que chacun peut prendre dans l'entreprise, vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter et bien entendu à consulter les éléments d'information que nous avons mis à votre disposition sur notre site.